Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui jouer à Warm Up, un jeu édité par Lancor et Microïd, sorti en 2000 sur PlayStation. Et l'introduction, sans déconner, ils se sont fait plaisir. On dirait une compilation, alors je sais pas si vous étiez sur YouTube dans les années 2006, 2007, 2008 à peu près, avant qu'il y ait des podcasters derrière qui arrivent. Si vous étiez un peu passionné de F1, il y avait d'énormes compiles, mais tout le monde faisait ça, de Crash de Formule 1. Et franchement, la fin du clip me fait penser à ça. Concrètement, je me suis dit, mais c'est quoi cette intro? Et ben franchement, l'intro, elle est pas mal, on se dit, mais franchement, niveau graphisme, même si c'est du... Évidemment, ce n'est pas les graphismes de la PlayStation 1, faut pas déconner, hein, ça reste une vidéo. Bah, c'est quand même pas mal fait, quoi. Ça donne envie d'y jouer. On se dit, ouais, les voitures sont bien faites, le maniement a l'air cool, il y a alors des trucs pas mal réalistes. Bon, sauf quelques accidents qui sont un petit peu mal faits. Hein. Vous avez les voitures qui portent un petit peu n'importe comment en l'air. On se dit, ouais, ça peut le faire, le jeu peut être cool. Après, Warm Up, vous doutez bien qu'il n'y a pas de licence derrière, si ce n'est 2-3 sponsors. Hein, on a vu Certina, Eurosport, etc. Donc, est-ce qu'un jeu qui essaye de faire un peu comme la série des Monaco Grand Prix peut être mieux ou pire? On va le découvrir ensemble. Je vous lance déjà, le jeu a été pas bien noté. Alors, pas du tout. Mais pas super bien noté, enfin en gros en dessous de la moyenne. Mais on va voir si le jeu mérite vraiment une note pourrie ou si le jeu est vraiment bien. Alors on a un mode arcade, mode simulation, arcade on s'en fiche un peu, on va vraiment passer à la simulation directement. Alors vous allez voir, le menu est assez complet, assez sympa quand même, il est assez sobre ma foi. On a tous les réglages en dessous, donc les réglages au niveau de la manette, au niveau de l'écran, c'est-à-dire voilà ce qui est affiché à l'écran, au niveau du son, on peut changer le pilote ici, changer la voiture là, voir les réglages. Les réglages, je crois que c'est les réglages. Les aides à la conduite, et ça c'est pour voir les circuits et changer de circuit. On va tous les faire. Et regardez bien au niveau de la configuration de la manette. Donc on a le gauche-droite, freiner accéléré. Par contre, truc de fou, il y a un truc qui devrait vous titiller là, dans les réglages. Droite-gauche, serrer freiner, c'est du classique. Monter, descendre, les rapports, pas de problème. Caméra, appeler les stands, c'est pas mal. La vue arrière, R1, équilibre des freins. Est-ce que vous trouvez déjà de base que R1 c'est la meilleure touche pour changer l'équilibre des freins? En général, on utilise des gâchettes pour monter ou descendre les rapports. Bon, L2, R2, pourquoi pas, on prend celle du dessous. Sans déconner, R1. R1, mais tout le monde va se tromper, hein. Tout le monde va appuyer sur l'équilibre des freins. Alors vous allez voir à quoi ça ressemble l'équilibre des freins dans le jeu, je vais vous montrer juste après. Mais déjà, bon, niveau placement, c'est pas super cool. Après, on peut changer l'équilibre de freins dans un jeu de Formule 1 sur PlayStation. Je crois qu'il n'y en a aucun à l'époque qui permettait ça. Donc déjà, c'est plutôt pas mal. C'est une bonne idée, mais peut-être pas bien mise en place. On part sur l'écran, bon ça c'est pour changer. On peut choisir les volumes sonores. Je vous le dis direct, on va pas mettre au maximum parce que les... Alors les sons, vous allez voir, je vais pas vous spoiler, on va commencer directement. On va choisir, on va voir déjà les pilotes et les voitures disponibles. Donc le pilote c'est simple, hein. Je vais créer un pilote. Donc par exemple, on va mettre le pseudo, voilà, hop, on va mettre End, voilà. On va choisir notre voiture. Alors il y a 4 écuries de 2 pilotes, 8 écuries de 2 pilotes, pardon. Donc 16 pilotes en tout. Faites pas avoir hein, sur Discord si on dit ouais une vingtaine de voitures. Non, 20 voitures c'est en Formule 1. Mais là il y en a moins. On est que 16. Alors on a Certina, Turtle, Eurosport. Mais ce qui est dommage, c'est que regardez, je choisis. Mais je vois pas à quoi elles ressemblent en fait les voitures. Sincèrement. Alors le Certina Eurosport c'est des vrais sponsors, les autres ça l'est pas. On va prendre Daro. Parce que j'ai l'impression que Daro c'est. Bah c'est Arrose. Ça ressemblera un petit peu à ça. Ou alors limite on va prendre la Turtle. Tiens, ouais, Turtle. On va changer les réglages. Alors on a pas mal de choses à changer. On peut voir le niveau du joueur, donc amateur, pro, débutant. On va mettre amateur. Niveau de simulation simplifié, étendu. Je vais vous mettre en mode étendu, que vous voyez directement à quoi ça ressemble. Nombre de voitures, vous voyez, on peut baisser si on veut. Enfin, c'est pas mal, on peut choisir le nombre de concurrents. Et on va aller jusqu'à 16, donc 16 maximum. Usure de la voiture, on va mettre réaliste. Dégâts de la voiture, oui. Météo, on va mettre hasard. Et normalement, c'est bon, tout a été pris en compte. On a le volant en mode de vitesse auto, résistance de freinage, direction, on va l'enlever. Repositionnement, on va mettre non. Voilà. On peut voir les infos de la course, état de la voiture, le plan du circuit. On va le laisser par défaut. Et enfin, on va choisir notre tracé. Alors, dans le choix des
circuit. Donc bah, toutes les licences, donc par exemple Imola s'appelle Europe Sud. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui n'a pas de licence? Europe Nord c'est Nürburgring. Par contre voilà, il y a bien Monaco, après ça reste des pays, donc il n'y a pas trop de soucis. C'est les circuits de la saison 2000, à quoi on le reconnaît tout simplement, parce qu'il y a le Grand Prix des USA en 14e ou 16e, 15e position, parce qu'il y a 17 courses il me semble. Alors je vous propose, on va pas commencer par l'Australie, puisqu'on va le faire ça pour le mode championnat directement. On va prendre un circuit, toujours test, Monaco. On va faire un nombre de tours, on va mettre 4 tours, c'est très bien. Et on va revenir en arrière. On va faire donc démarrer. Alors pour démarrer c'est facile, on choisit le type de course. On va faire un Grand Prix. Et on peut choisir la présentation du circuit, les essais libres, la qualification, le round de course, du classique totalement. Je vais vous montrer les essais libres, histoire de vous montrer, poser un peu le jeu. Vous allez voir, au premier abord, ce jeu est quand même pas mal. Sincèrement pas mal. Vous allez voir. Chargement un petit peu long, mais on voit bien que c'est assez correct. On est sur support CD, je rappelle, donc à l'époque c'était quand même plutôt lent. Voilà, donc on est en essai libre. Déjà pour commencer, je vous montre un petit peu les vues. La vue du pilote. Alors c'est une vue pilote, voilà, bon, c'est un petit peu drôle parce qu'on voit pas les bras. Mais regardez le niveau de détail quand même. On voit les blocs de frein au milieu de la roue, pardon. Alors pas sponsor de pneus, donc on a des speed guns. Je crois qu'il y a marqué ça, speed gun. On a une troisième vue. Comme ça, et vous voyez que la vue est décalée. Et bien vous allez voir, la vue elle est dynamique, c'est à dire qu'en gros, regardez, hop, le pilote place sa tête, et du coup, dans le virage, je vais pouvoir regarder un peu sur le côté. Alors je me suis complètement loupé au freinage, donc c'est pas très grave. Voilà, et là il va pencher sa tête pour tourner, mais évidemment, ce qui pensait être une bonne idée n'est pas forcément une bonne idée parce qu'on est vraiment surpris par le mouvement de caméra, donc c'est un petit peu dommage. Et je vous montre un tout petit peu, voilà, histoire de ce que ça donne. Donc là, on est à Monaco. On a donc, au niveau des réglages, en haut, on a l'écart, on a la tour, la position. On a le 1 sur 16, c'est notre position en temps. Au moins, on est premier, parce qu'aucune des voitures n'a fait un tour. On a la voiture, donc l'état de la voiture. Donc concrètement, on peut voir, là, je suis en tête à queue. On peut voir l'état de la voiture, donc pour l'instant elle va être un petit peu endommagée de l'arrière. Et vous allez voir, je vais changer, là j'ai une vue arrière, alors que les pilotes passent derrière. Regardez le bouton R1. Là, je règle au niveau des freins, si je vais vers l'avant ou vers l'arrière. Alors par contre, pour régler, je suis obligé de rester appuyé. Je peux faire haut ou bas, je reste appuyé. Donc on va le mettre un peu sur l'avant, légèrement. Là, je vais, comment on fait déjà, mettre en marche arrière. Par doucement. Voilà, et je vais repartir en marche avant, mais j'ai tellement l'habitude d'avoir les touches pour changer les vitesses en R1 et en R2 que je vais me tromper quasiment tout le temps. On va changer la vue, on a une vue encore vers là, et une vue à l'arrière qui est la vue la plus classique. Et regardez à l'arrière, on a déjà cassé un petit peu l'aileron, même plus que cassé. Alors par contre, regardez le dénivelé sur Monaco, je crois que c'est un peu n'importe quoi. Je peux faire un 360 pour me mettre en place, et je peux accélérer pour arriver donc à l'épingle. Alors la voiture est totalement mal réglée, il y a pas mal de bugs de collision, vous pouvez le voir. Alors, là on est en mode difficulté maximale, c'est-à-dire qu'en gros, voilà, on dérape de partout, on n'a pas l'aide au freinage, je tape, ça casse. Aileron arrière cassé, tu n'as plus d'appui. Ah, aileron arrière c'est cassé. Rentre au stand. Et on a aussi un spotter. C'est quand même pas mal. Là, sur le plan technique, sincèrement, moi vous mettez ça sur le plan à l'époque, je fais what the fuck, c'est trop bien. Sincèrement, c'est trop bien. J'ai peut-être raison. Et on a le frein. Ah bah là, voilà, c'est bon. Donc là, j'ai plus rien qui marche. Mais voilà. Regardez, je ne peux plus accélérer. Je ne peux plus franchir la première vitesse. Ouais, donc là, je suis mort. Donc je ne peux plus avancer. Tout est cassé, donc je dois refaire bac abandon, hein, tout simplement. On va faire abandon. Et on va revenir vers le deuxième menu. Alors je sais pas si je peux toujours faire un entraînement ou si je vais directement passer en qualification. Mais vous voyez quand même, le jeu est quand même assez hardcore. Hein. On dirait pas comme ça, mais il est vraiment vraiment compliqué. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va faire une qualification. Même si vous allez voir, je vais me planter littéralement parce que les freins sont pas du tout bien réglés. Normalement, je peux régler ma voiture. Je l'ai pas trop fait. Mais on peut aussi changer un petit peu le setup. Vous allez voir, je vais essayer de vous montrer après. Donc pour le moment on se dit ouais, ça commence quand même pas mal, enfin je veux dire le jeu est propre, vous avez pas vu les graphismes, enfin vous avez vu qu'une partie des graphismes sont quand même corrects, le circuit passe super bien réalisé,
Mais les graphismes sont quand même corrects. On va faire start. On va voir le niveau des options. Aide à la conduite, pour l'instant, j'en ai pas. Boîte auto. L'affichage, on a vu information de course. Donc c'est pareil, hein, c'est ce qu'on avait dans le menu. Donc on va faire continuer. Je vous laisse écouter le son. Voilà. Alors si vous comprenez, vous allez comprendre au fur et à mesure où est le problème dans le jeu. Ah bah là on est d'accord, pour se dégrader, ils sont dégradés, regardez-moi ça. On va changer la vitesse, voilà, on va se mettre en première. Alors, je sais pas si vous entendez les bruits du jeu. Alors je vais peut-être baisser un petit peu, effectivement, je les ai mis à fond. On va baisser un petit peu, on va repasser au réglage classique. Mais niveau effet sonore, ils se sont gavés. Mais vraiment, quand je dis gavé, ils se sont gavés. Il y a des effets sonores de fou. Quand on passe sous un tunnel, quand t'as les voitures qui sont pas loin de nous, on a un effet de reverb, un effet de moteur, surtout quand on nomme les V10 à l'époque. C'est vraiment super bien réalisé. Par contre, le gros problème, voilà, vous en rendez compte, je peux pas freiner. Je peux pas freiner. C'est-à-dire que si je freine un tout petit peu trop fort, légèrement, eh ben, je peux rentrer d'accueil. Regardez, j'ai freiné. Boum! J'ai encore tapé. Là, je vais freiner. Je peux rentrer d'accueil. Alors vous allez me dire, ouais, ça se trouve, c'est le freinage qui est pas réglé. Et bah effectivement, on est trop sur l'avant. Donc on va freiner, on va mettre milieu, on va mettre 50-50. Et on va voir ce que ça donne. Là on arrive sous le tunnel. Regardez l'aileron qui bouge n'importe comment, peut-être même qu'il va s'arracher, je sais pas. En tout cas j'ai réussi à prendre une chicane dans le jeu, c'est incroyable. Les décors, alors les décors, on va parler un petit peu des graphismes. Les graphismes sont quand même vraiment bien réussis. Je rigolais un petit peu sur l'introduction. Mais sincèrement, autant l'introduction est jolie, autant le jeu l'est aussi. On est sur Play 1, je le rappelle. Regardez le niveau de détail, quoi. Franchement, il y a un bon niveau de détail. Alors, framerate, par contre, est dégueulasse, vous allez vous rendre compte. Il y a pas mal de ralentissements. Et c'est dommage parce que bah, le jeu... Alors, la caméra bouge aussi, hein. C'est-à-dire que c'est pas qu'avec le pilote, quand on a envie de pilote. C'est même le cas ici, vous voyez la caméra qui se penche un petit peu. Par contre, c'est n'importe quoi. On va faire abandon. On va faire abandon. On va faire oui. Donc là, à la fin de la qualification, on va nous montrer normalement la grille de départ. Vous allez voir. Alors, je pense que ce que je vous montre, c'est pas plus intéressant, parce que pour le moment, la voiture est tellement impossible à conduire que ça se passe pas super bien. On va voir au niveau des réglages. Voilà, donc on peut changer le carburant. Je vais essayer de passer... Bah, S1, c'est bon, donc normalement, c'est les pneus soft. Carburant, on va baisser un peu, parce qu'il n'y a pas de carburant, normalement. Niveau des freins, vous voyez, avant, je vais essayer de les mettre à... En général, une F1, c'est ça, à peu près. Hein. 58, 57, 59, et l'arrière à 42. Par contre, ce qui m'ennuie, là, depuis tout à l'heure, c'est que le câble... Voilà, le câble de mon micro, il tape le... Il tape le... La blousonnière, enfin, c'est un peu bizarre. Alors... On revient en arrière et on va faire la course directement. Par contre, j'ai envie de rajouter des aides, hein, je vous le dis sincèrement. Mode de vitesse, repositionnement. On va mettre l'assistance au freinage. On va voir si ça change quelque chose. Parce que des fois dans les jeux, ils essaient d'être trop simulation, ça devient injouable. Mais il suffit de se dire, bon, tant pis, je fais une croix sur le réalisme pur, je baisse un petit peu les trucs et peut-être que le jeu va être très très bien. Et c'est ce que nous allons du coup déterminer maintenant sur ce Grand Prix de Monaco. Est-ce que le fait d'avoir une assistance au freinage va freiner tout seul? Ou est-ce que quand je vais freiner, bah, la voiture va pas partir instantanément? On va voir. Donc la grille de départ, ça se passe comme ça. Je vous laisse le son à fond, franchement. Voilà. Bon, on va passer start quand même, parce que sinon on n'avancera jamais.
Mais franchement, les effets sonores dans ce jeu, mais moi j'en mets 20 sur 20. Alors effectivement, c'est pas parfait, sauf que là il y a un IA dans le mur. Mais franchement, les effets de loin, génial, franchement génial. Imaginez un F1 97 à l'époque, ou un F1 2000, ou etc. avec ses effets sonores. Ah, je dis oui. Je dis. Allez, c'est parti. On va accélérer. Le feu est ouvert. Et c'est parti. On part dernier, bien entendu, puisqu'on n'a pas fait de bon temps en qualification. Regardez la framerate, comme elle va se casser la gueule légèrement. Alors, on a eu ce problème aussi dans Formula 1, F1 2000, pardon. Et voilà, il y a un accident. Du coup, tout le monde se bloque entre eux. Il y avait ce problème... Allez, j'ai encore tapé. Avec F1 2000... édité par EA Games, hein, pas la version Codemaster. Là, je me suis fait griller au départ. Donc, je vais pas trop casser du sucre dessus. Mais il faut bien avouer que là, regardez, ça commence vraiment à être problématique. En plus, j'ai pris le mur, du coup. Voilà. Et ça fait le même problème que tout à l'heure, la voiture qui part n'importe comment. Aileron arrière cassé, tu n'as plus d'appui. Voilà, donc on peut déjà dire qu'on peut recommencer. On va voir le replay. Vous allez voir, on peut changer la caméra normalement. Il me semble. Non, je sais plus comment on fait. Replay. Non. Si on fait ça, on avance un petit peu. Bon, on peut pas changer ce qu'on veut, c'est un petit peu dommage. Si je fais select, ça fait rien. Ça affiche que la barre. On va faire OK, on va revenir en arrière et on va faire abandon. Donc vous pouvez vous rendre compte déjà dès le début que Monaco, c'est pas super jouable. Ce qui fait qu'à vouloir trop faire réaliste, ça en devient un petit peu ridicule malheureusement. Donc on va faire un autre tracé. On va dire que Monaco, c'était peut-être un petit peu exagéré. Donc on finit 16e, bien entendu. On va revenir en arrière. Ce qu'on va faire, on va revenir en arrière complètement, on va voir les réglages de difficulté, parce que peut-être qu'on est allé trop haut, hein, qui sait. Assistance au freinage, on va mettre oui, assistance en direction, on va mettre non, positionnement, on va faire non. Voilà. On va voir les réglages du niveau de joueur, on va laisser amateur. Niveau simulation étendue, on va se mettre en simplifié. On va mettre usure de la voiture réaliste, météo, dégâts, on va garder ça. Par contre ça, on va le garder. On va faire un autre Grand Prix. Donc on va changer le circuit. Bon, je peux parler de la musique du jeu, mais elle est très très classique, rien d'extraordinaire. Donc on va choisir un autre pays, on va prendre par exemple... Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Bah tenez, on va prendre Nürburgring, tiens, pour une fois. On va faire OK. On va faire donc un Grand Prix. On va faire une séance de qualification directement. Et on va voir ce que ça donne. Avec un niveau de maniement un peu moins réaliste, est-ce que le jeu devient... plus intéressant, ou est-ce que c'est toujours aussi mauvais? Alors les modèles 3D sont plutôt bien faits. Les circuits sont plutôt bien réalisés, graphiquement parlant. Après, au niveau du réalisme, effectivement, on sent que ça n'a pas été fait par GPS. Donc il y a pas mal de choses qui sont bizarres. Allez, c'est parti! Oh là là! Oh, oh, oh. Ah, je me suis fait couper, hein. J'ai tapé le mur. Allez, c'est parti! Je vais changer un peu de vue, histoire qu'on ait un peu plus de... Voilà, un peu plus d'effet. Alors il fait pas très beau apparemment, il fait gris. Je suis pas très rapide. Oula, je suis complètement loupé. Vous allez voir que je peux bouger facilement, voilà. C'est assez fluide au niveau du maniement. Assez de freiner. Oula, par contre vous vous rendez compte que c'est très très imprécis quand même au niveau de la direction. Mais le circuit, voilà, ressemble bien à celui de Nürburgring que l'on avait à l'époque. Enfin, qu'on en a toujours d'ailleurs, parce que Nürburgring est un des circuits qui n'a pas trop bougé, à part évidemment le premier virage, hein, mais tout le reste du circuit est plutôt le même. Alors on va freiner. Oui, c'est quand même déjà beaucoup plus simple, hein. Je freine, ça part pas d'un coup. Par contre, cette caméra dynamique, eh ben, comme je vous dis, ça partait d'une bonne idée, mais malheureusement, ça reste pas longtemps une bonne idée, parce que ça devient un petit peu problématique dans le gameplay. On va changer la vue, on va mettre celle-là. Regardez-moi ça. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a des panneaux, voilà, qui nous indiquent en fait quand freiner. On a des panneaux qui nous indiquent, je crois que c'est vert, jaune, rouge, tout comme ça. Et quand on passe au rouge, ben là, c'est la limite pour pouvoir freiner. J'ai fait la même bêtise, je crois.
on va remettre la vue arrière. Il y a quelques bugs d'affichage avec quelques textures qui disparaissent aussi. Je vais essayer de vous montrer aussi la pluie dans ce jeu. Tant qu'à faire. Voilà. On n'est pas très rapide dans la ligne droite, hein. Vous avez vu, 250 km/h, c'est pas énorme. En Petrol Max, c'est marrant, ça fait penser à... Je crois que c'était Petronas aussi, Petronas Max. C'est dans le genre. Vous voyez, vert, jaune, rouge, et là, bam, c'est le dernier moment, vous comprenez. Un problème, c'est que la direction est vraiment trop rapide. Et donc, on n'est pas très précis. Par contre, là, il semble avoir mis les dégâts. Pour l'instant, ça a peur d'avoir fait grand chose. Alors, on va le comparer à GP Challenge, évidemment, et Monaco Grand Prix Simulation. Alors, pour moi, par rapport au GP Challenge, il est bien meilleur, on est d'accord. Beaucoup plus de contenu, on est plus vraiment dans un contenu type F1. Même si le but est le même, hein, c'est-à-dire faire un jeu de F1 sans avoir des vrais F1. Du coup, on ne paye pas la licence FIA, et c'est plus facile de développer un autre jeu. Vous voyez, quand on commence à prendre l'habitude, ça commence à devenir pas mal, hein. Ça pourrait être aussi bien qu'à Formula 1. Mais voilà, il y a des choses qui vont pas du tout, qui sont assez rédhibitoires. Je vais le répéter à nouveau, hein, mais vraiment la framerate c'est dégueulasse. Le changement de caméra dynamique c'est horrible. Faut qu'ils arrêtent ça, sans déconner. On va faire start d'ailleurs et on va voir si c'est possible. Affichage. Et non, on peut vraiment pas changer ça. Aide à la conduite on touche pas, on va laisser comme ça. Le son on va le garder. On va finir le tour, on va essayer de voir si on fait un tour correct. De toute façon, je suis 16ème sur 16, donc pas terrible. Vous voyez l'usure de la voiture, on voit que le pneu en haut à droite, là, il est tenu rouge et sur les côtés c'est orange. Donc ça sous-entend qu'on les a un petit peu démolis. C'est intéressant de voir si on peut s'arrêter au stand aussi, si on peut faire des ravitaillements ou changer les pneus. On va faire un autre tour parce qu'on aura bien amélioré normalement si tout se passe bien. Si je tape pas trop. Je vais taper quand même, mais c'est pas grave, on dirait qu'on a rien vu. Allez, 9 secondes de gagné. Voilà, 5ème sur 16, ça peut être pas mal. On va faire start. Et on va faire abandon. Comme ça, on va voir la grille de départ. Et donc, on a fait le 5ème temps. C'est Chamaillou qui est en pole position devant Fournier, Béatrice Loeb, Pessol, Sébastien Pollard, Guillaume Gentil, Christine Cordogan. Et Mdan, on va faire abandonner. Alors j'aurais pu changer de voiture, toutes les voitures sont quasiment les mêmes, normalement je crois qu'ils ont tous toutes la M3D. En général ils s'embêtaient pas, hein, ils faisaient qu'une seule 3D. Quitte à faire quelque chose de factice, ils s'embêtaient pas. On va faire donc la course. C'est parti. Bon comme je disais les chargements sont pas spécialement rapides. Mais on a eu beaucoup plus lent, donc pour le moment on va dire que c'est pas un mauvais point. En tout cas, j'aime le menu, il est concis, c'est facile de se retrouver. Il y a pas mal d'options. La base pour moi est saine, hein. Vraiment, la base. Hormis aller quelques détails au niveau du graphisme et la difficulté ahurissante du mode réaliste, ça reste correct. Alors par contre... Ils ont voulu faire la mise en grille, hein. C'est-à-dire que si on continue jusqu'au bout, vous allez voir les voitures se positionner sur la grille de départ. On pourrait même le faire, hein. On pourrait attendre un petit peu. Je vais laisser jusqu'au bout. Alors c'est marrant parce que des fois, ça me fait penser à Grand Prix 3. Et au niveau des graphismes, je trouve que la 3D, il y a un petit truc à la Grand Prix 3, je sais pas. Je sais pas quel moteur graphique ils ont utilisé. Mais ça fait les gens penser à ça. Avec un petit effet de lens flare. C'était classique à l'époque. Voilà, ils vont s'arrêter sur la grille de départ.
Et là, c'est un grand moment d'attente, vous allez voir. Le temps que toutes les voitures se placent, on n'a pas fini. Je vous laisse jusqu'au bout, vous allez voir ce que ça donne. Prenez un café. Et du coup, imaginez à quel point ça pouvait être long pour le pilote en tête ou sur la première ligne d'attendre que toutes les voitures aient fini. Ça devait être des secondes, mais interminables. Je crois que là, on est bon. Drapeau jaune. On va passer au drapeau vert. On part 5e sur la grille. C'est parti. Oh, au départ, plutôt loupé. Et du coup, on s'est fait griller par tout le monde autour. Allez, c'est parti. Attention à la chicane au départ qui va être assez compliquée. Et regardez la framerate qui commence à tomber légèrement. Alors, ce qui, on va dire, c'est assez bizarre, c'est que la framerate, elle est pas bonne quand il n'y a pas de voiture. Mais elle est pas bonne aussi quand il y a beaucoup de voitures. Mais elle est pas pire en fait, c'est-à-dire que ça bouge pas. En gros, qu'il y ait des voitures ou pas sur le tracé, le jeu rame pareil. C'est là où je trouve que c'est pas cohérent en fait. Soit ils ont réglé la framerate par défaut de manière dégueulasse, c'est possible. Hein. Oh là là, l'accident, malheureusement. Des voitures. En plus, je suis bloqué par lui. On a les traces de pneus. Bon, c'est pas grave, à mon avis, on devrait pouvoir remonter assez facilement. À moins de pas faire d'erreur. Oui, la framerate, franchement, ça oscille d'un coup entre très fluide, pas fluide. Et c'est vraiment dommage, voilà. Franchement, ça gâche le plaisir. Et pareil, hein, le coup des pneus, ça c'est un gros défaut. Quand on tourne un petit peu vite, ben, en fait, les pneus crient sa mort et du coup, on les use complètement. Alors, on va revenir sur eux. Regardez le. Oh, le freinage que j'ai dû faire pour éviter la voiture devant moi. Ce qui va être bien sûr intéressant, c'est de tenter l'arrêt au stand. Aïe, j'ai touché légèrement. Alors, on va mettre en vue pilote pour avoir une immersion totale. Il y a un petit effet d'air, je pense que vous l'entendez légèrement dans le son du jeu. Je fais n'importe quoi. Et c'est l'accident bête. Oh là là, mon dieu, c'est Diniz. Oh mon dieu. Ouais, Diniz qui s'était retourné en 99 dans Point Nürburgring, enfin, c'était fait retourner. Encore en bleu du départ. Et la voiture, enfin, c'était enfoncé limite un peu dans le sol, du coup on se demandait comment le pilote pouvait encore vivre en dessous. Et finalement il s'était. Bon, il a rien eu hein. Mais c'était assez impressionnant. On en reparlera sûrement sur la saison 99. Et voilà, je suis encore parti à la faute. Mais regardez, je peux contrebraquer et du coup je reviens en piste. On est très loin, hein, le pilote de tête. Le pilote de tête est quasiment fini son tour. On va essayer de remonter tant qu'on peut. Par contre, j'ai l'impression d'avoir beaucoup d'essence. Vous voyez la barre noire? Normalement, je crois que c'est l'essence. Et quand elle est toute noire, bah, c'est qu'on a le plein. Et là, le problème d'avoir le plein, c'est que la voiture n'est pas spécialement rapide. Oula, j'ai complètement loupé mon dernier virage. Alors, il y aura 4 tours à faire. Pour moi, on est déjà à mi-course. Normalement, la jauge d'essence n'aurait pas bougé parce qu'on n'a pas mis consommation d'essence. Ce qu'on aurait peut-être d'ailleurs dû faire. Alors là, si j'étais en mode rallye, je peux vous dire qu'en dérapant comme ça, je serais parti à la faute à chaque fois et en toupie à chaque virage. C'est là que je vous dis que le jeu est vraiment. C'est un petit peu n'importe quoi au niveau du réalisme. Parce que c'est pas le temps d'aller trop vite et partir en tête à queue. Ça, c'est totalement réaliste. Dans l'absolu, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que. Quitte à être réaliste, vous faites un maniement qui soit précis. Et comme le maniement n'est pas précis, bah oui, c'est impossible en fait de prendre des virages bien. La voiture, elle tourne d'un coup. C'est là où malheureusement le jeu va perdre tous ses points. C'est que le jeu, en tant que tel, n'est pas amusant. Voilà. La technique est propre, les circuits sont beaux, les voitures sont bien modélisées, le son est nickel. Mais si au final, vous vous amusez pas parce que le jeu a une prise en main totalement anarchique. Alors, il y a eu pire, il y a encore des jeux pires. Hein. Je prends par exemple Fin Proposition, sur 64. Là, on a une prise en main ultra arcade, mais c'est assumé. C'est complètement assumé. La voiture, elle fait un petit peu n'importe quoi, elle va accélérer n'importe comment, elle tourne très vite, mais on est dans de l'arcade. Pourquoi pas, je veux dire, voilà, c'est normal, on est dans le thème. Par contre, quand on veut un jeu ultra réaliste, eh ben on fait tout, du début jusqu'à de A à Z, on fait pas la moitié.
Et c'est là où le jeu, bah, je peux même pas lui donner 12 sur 20, quoi. Alors, je vais peut-être être moins sévère qu'un 9 sur 20. Parce que je vais vous dire, c'est une histoire d'habitude. Au bout d'un moment, vous voyez, je vais commencer peut-être à m'en sortir un peu plus. Mais ça peut pas valoir un 13-14. Malgré tout ce qu'il y aurait de bien dans ce jeu, c'est pas possible, quoi. Par contre, vous m'aurez sorti un F1 97 avec ses graphismes. J'ai cassé un petit peu les ronds arrière. Avec ses graphismes. Mais le maniement de F1 97, qui certes n'est pas le plus réaliste, mais au moins qui est cohérent. Je dis bingo, quoi. Oh, bah, évidemment, il faudrait que la framerate soit un petit peu mieux. Mais bon, on peut s'en contenter. Allez, on va arriver dans le dernier tour, je vais voir ce qui se passe. Bon, on aura terminé le dernier, hein. 16 sur 16, j'ai fait tellement d'erreurs que je pourrais rien rattraper du tout. L'IA est quand même assez forte, même si au départ on est en train de les rattraper. En fait, je me demande si le jeu freine pas automatiquement en fait quand je suis en freinage auto. Bon, ouais, voilà, on a fini dernier. Alors, je vous ai pas dit effectivement, on a un régime moteur en haut à droite, mais bon, ça, on n'a pas le temps de le lire de toute façon. J'ai fini à 25 secondes du leader. On va faire abandon. Histoire de vous montrer aussi la pluie, les aérostands s'il y en a, et peut-être le mode championnat. On est déjà à 35 minutes. On va voir par exemple les circuits sur la pluie. On va mettre donc retour. Au niveau des réglages, on va revenir en arrière. Au niveau des réglages, voilà. Météo, on va mettre la pluie. Voilà, direct. Usure de la voiture, bon, ça on peut garder. On va changer de Grand Prix, donc on va mettre choisir. On va mettre par exemple. Alors je vous dirais bien que la Belgique c'est super pour la pluie, mais on va pour une fois changer un petit peu parce que dans tous les jeux je fais quasiment le même tracé. Si on mettait par exemple le Canada, tiens, allez, pour une fois, on va faire retour en arrière. Niveau amateur c'est bon. On va changer de voiture. On va par exemple découvrir la High School. High cool. Et on va faire en mode Grand Prix. On va directement faire la course, hein, on va pas s'embêter. Je ne connais pas le tracé, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que ça a donné avec la pluie? Je vous rappelle qu'on ne peut pas choisir son type de gomme. Donc, attendez, je vais juste remettre notre câble à chaque fois, c'est impressionnant. On ne choisit pas ses gommes, donc il va falloir voir ce que ça donne au niveau du maniement, si ça change ou pas. Alors oui, la rouge, elle fait penser un peu à une Ferrari. Donc on s'est dit, ils sont peut-être inspirés des voitures de formule actuelle. Mais non, hein, les équipes, par exemple, qui ressemblent vraiment à rien. Celle-là, elle aurait pu ressembler à la Super Algoïde 2006, à la limite, en le disant vite. Mais après c'est un peu tout. On va faire start hein, pour commencer directement, regarder ma voiture. Là à gauche on dirait une Larousse de 94 avec le sponsor Tourtel évidemment, pas le sponsor Colombourg. Et regardez comment ça rame, oh là là mon dieu. Alors le freinage je pense ça va être compliqué. On va freiner. Oui bon on va freiner, on va prendre les murs surtout. Alors les gommes ont changé, ils ont mis des gommes plus. On va voir si le maniement change. J'ai pas l'impression que ça change grand chose, à part le fait que je vais me planter et que je vais tirer tout droit et que j'ai réussi à passer en faisant n'importe quoi. Oh mon dieu, ça c'était du drift hein. Alors on a fait une... je me demande si c'était pas Kiat qui était rentré dans tout le monde Monaco en 2016 ou 2017, je sais plus, avec Grosjean là. Même Massa s'était fait embarquer. Pas Kiat ou peut-être un autre, je sais plus. Magnussen? Non, je m'en souviens un peu. Non, c'est pas Magnussen. Oh, attendez, vous freinez, là. Drapeau jaune, attention, on peut pas doubler. On va repartir, on est parti au vert, c'est parti, allez. Oh, regardez les projections derrière, on voit rien du tout. Et au freinage, on va essayer de passer, ouais, nickel, on a passé une-deux voitures. Et à l'accélération. Alors j'imagine que si je mets en vue pilote, on va vraiment voir que dalle. Ça c'est pareil, hein. Les vues sont quand même bien réalisées, à part les bras du pilote.
Voilà, enfin on pourrait s'y croire, hein. Sincèrement, c'est du beau boulot. À ce niveau-là. Hop, 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 attention. On va arriver dans la chicane, je tire un peu droit. Bon, oula, regardez derrière. J'en sors un tout petit peu mieux que tout à l'heure. Mais pour le moment, j'ai pas vu de différence par rapport au sec. Hein. On accélère un peu de la même manière. Alors attention, la chicane, voilà, ça passe, accélération. Ben voilà, là c'est assez propre hein, pour le moment. Alors là on est vraiment à 15 images secondes. Hein. On dirait à certains moments la framerate de Tomb Raider sur Saturn quoi. C'est vraiment la limite de l'injouable des fois. Ah, l'IA s'est loupé un petit peu. Du coup on est en 9ème position. Alors, il y a moyen de tricher, hein. Si vous étiez sur émulateur, bah, vous pourrez par exemple overclocker un peu le CPU de la console. Du coup, je pense que la framerate serait un peu plus stable. Et comme là, on a la framerate, enfin, on a la puissance vraiment de la Play, bah, évidemment, voilà hein, ce que ça serait si vous avez joué sur la console à l'époque. Et c'est très dommage. C'est vraiment dommage d'avoir une framerate aussi pourrie. Le circuit de Monte Carlo, pardon, est plutôt respecté hein, dans le tracé. On est quand même pas mal. Bon, les effets d'eau sont prononcés, sont pas spécialement très beaux, mais au niveau réalisme, on est pas mal. Et vous voyez, quand je baisse de la vitesse, la gerbe d'eau, elle change aussi. C'est-à-dire que, regardez, là, je vais accélérer, et hop, d'un coup, la gerbe augmente. Ça, c'est un détail aussi, hein, mais c'est quand même vraiment, vraiment bien fait. Attention au freinage. Oh là là, et cette caméra qui bouge sur les côtés. Il y avait cette option, hein, dans Formule 97, d'avoir une caméra qui bouge légèrement. Là, par exemple, vous touchez un vibreur, bah, la caméra bouge avec. C'est une sorte qu'on pouvait activer avec le menu Start, en fait, on est dans la caméra. Et c'était un détail qui, à l'époque, était plutôt bien rendu, plutôt bien fait. Là, c'était bien fait aussi, hein. C'est juste qu'au niveau maniement, enfin, après, pour pouvoir gérer le jeu, c'est un peu plus compliqué. Allez, après, je vais essayer de vous montrer l'arrêt au centre de cette course, parce que j'ai envie de faire... J'ai envie de m'amuser un peu, là, j'ai envie de faire une course, quand même, voir ce que ça donne. On a une dôme devant nous. Une DOM première version, hein, la DOM de 95, après celle de 85-96. Alors pour ceux qui ne connaissent pas DOM, c'était une équipe qui avait failli rentrer en Formule 1 pour 97, mais finalement le prototype avait brûlé en 96. Et finalement, bah, ils avaient laissé tomber. Bon, la voiture était assez lente, mais il y a moyen de trouver des vidéos sur internet avec la voiture qui roule. Hein. Surtout la version, la dernière version, hein, pas la version dont je parle. En tout cas, elle me fait vraiment penser à ça. Alors, on a le spotter il est pas mal, il nous donne des informations, bon, très basiques. Mais il a l'air assez enjoué, ça c'est cool. Il est pas dépressif. D'ailleurs, si vous avez joué à Dirt Rally 2, vous allez comprendre ce que c'est qu'un spotter dépressif. Alors, je sais plus qui c'est qui fait la voix dans Dirt Rally 2, mais c'est un belge. Et sincèrement, la voix est... oh là là, j'ai tapé. On va se taper devant, et voilà, malheureusement... Ah, voilà, c'est bon, c'est terminé. C'est terminé. Et voilà, du coup, j'ai changé la vue qu'il fallait pas en me trompant. Et du coup, j'ai changé la répartition du freinage. Comme je vous l'avais dit, c'est une mauvaise idée. On va remettre normal. Ouais, c'était fait d'air, là, ce... Chut. Et on va rentrer au stand, on va essayer. Bon, évidemment, on gagnera pas puisque là on s'est loupé dans le dernier tour. Voilà. Je pense que limite ils auraient dû enlever l'effet en 3D et gagner 2-3 images secondes. Ça aurait été peut-être plus utile. Allez, on va rentrer au stand. Jusqu'à 259 km, hein. C'est pas énorme. Alors, qu'on est automatique déjà, ça c'est pas une super bonne nouvelle, mais bon, au moins on peut rentrer au stand. Par contre, je vais gagner la course, là. Enfin, je vais finir la course.
Bon, bah, la course terminée, ça n'a pas changé grand-chose. On a un bot d'ailleurs en 8ème position. Bon, voilà, bah, écoutez, on a fini la course, on va faire abandon. Et on va voir bah, le mode championnat, c'est quelque chose de différent. On va voir Melbourne, comment ça se passe, puis on se laissera là-dessus. On est déjà à 43 minutes, hein, ça passe plutôt vite. Voilà, on va revenir en arrière. Donc, le mode championnat. Donc, on va faire créer un championnat qu'on appellera moi-même. Voilà. Hop, end. Et on peut choisir. Ah, c'est cool, regardez, on peut changer l'ordre des championnats. Ça, c'est pas mal. Franchement, c'est cool. On peut personnaliser son... On va mettre tous. On peut personnaliser son calendrier, si on veut commencer par la Malaisie, par exemple, ou par la France, ou autre chose. On peut le faire, donc ça, c'est cool. Donc, on va mettre jouer. Alors, présentation, on va pas le faire. On va faire directement course. Je vais voir au niveau des réglages de la voiture. Ah, pneus R3, non, on va mettre des R1. Je veux absolument avoir des pneus qui tiennent bien au niveau du grip. Carburant 130 litres, ça aussi, il faut pas exagérer. Voilà, surtout qu'il n'y a pas la. Il n'y a pas la consommation normalement. Donc voilà, positionnement, mode de vitesse auto. On va enlever l'assistance au freinage. Je veux vraiment être sûr que ça va marcher. Et on va faire course. C'est parti pour le Grand Prix d'Australie. J'espère qu'il n'y aura pas 70 tours. Ça se trouve, le mode championnat, on peut pas changer les réglages. Peut-être qu'on va devoir se contenter de faire 70 tours. Mais bon, j'espère pas quand même. Allez, c'est parti. Ah oui, mais il pleut. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. On va passer le menu, c'est cool. Il y a 5 tours, donc c'est bon. Ça devrait tenir. C'est un très mauvais départ. Ah, il nous avait parti 13ème par contre. Hein. On n'a pas fait de qualification, mais on part quand même 13ème. Ah, j'ai mon coéquipier qui part dernier. Bon, attention au premier virage, on va essayer de gagner plus de place possible. Et la Ferrari qui est partie à la faute légèrement. Et du coup, on est déjà dans les points. Je pense que les 6 premiers marquent des points. Hein. J'ai pas vu le système des points encore. Oh là, j'ai l'impression de me traîner. Donc, bienvenue à Melbourne. La voiture qui part. Regardez, j'accélère à fond. Et non, c'est pas passé. Bon, sur la pluie, j'ai peut-être exagéré au niveau de l'accélération aussi. Hein. C'est peut-être ma faute. Bon, on est 14ème. Ah, les parties circuit qui sont quand même bien étriquées. Oui, la jauge d'essence, c'était bien ça, hein. Quand elle est toute blanche, c'est qu'elle est quasiment vide. Par contre, j'ai l'impression de me traîner. C'est impressionnant. Autant tout à l'heure, on était un peu plus rapide qu'eux, autant là... On peut couper un peu, ça va passer. Ça a glissé. Hein. L'herbe glisse vachement, mais c'est logique. Attention, là c'est pareil, le virage ici. Attention, on le prend limite en drift. Et là, et non, malheureusement, l'accélération ça va pas le faire. Bon, bah, c'est pas avant l'année dernière. On va rentrer au stand, on va voir si on peut faire des changements. Parce que peut-être que comme c'était le dernier tour tout à l'heure, on pouvait pas le faire. Et toujours ce. Voilà, toujours cette chicane à l'entrée de Melbourne qui est assez compliquée. Allez, conduite automatique. Alors vous voyez, les pneus sont rouges. Est-ce qu'en sortant des stands, par exemple, les pneus vont être changés? Est-ce que... Non. J'ai l'impression que pas du tout, hein, en fait. On va partir dernier. Ouais, sauver le niveau d'essence. Effectivement, j'en ai pas beaucoup. Mais bon, c'est pas trop grave. Hein. De toute façon, il y a que 5 tours à faire. Ah non, même pas. Regardez l'essence. 35 litres, ça se trouve, ça tiendra même pas, hein. J'ai qu'une jauge d'essence à 1. Et voilà, je suis parti à la faute encore. Et je pense que le niveau d'essence, on tiendra pas à la fin de la course. Ah, mais je suis bête, il fallait faire rond pour demander l'essence. Ah, mais c'est pour ça qu'on a rien.
Attendez, on va essayer de le faire si je tombe pas en panne avant la fin du circuit. Ce qui, à mon avis, est autant probable. 10 sur 20 au niveau de naissance, ouais, donc logiquement. Voilà, déjà la voiture a du mal. Là, j'accélère, hein. Je touche pas là, je ne freine pas. On va passer la chicane, voilà. Et là, je vais demander les stands. Tu peux rentrer, on est prêt. Voilà, donc le petit crypto en haut jaune, en haut à droite, c'est pour dire qu'on a appelé les stands. Alors là, ils sont prêts. Qu'est-ce que vont donner? Oh là, mon dieu. Elle est jolie, hein, la F1, mine de rien. Franchement, ils ont fait du beau boulot. Qu'est-ce que ça va donner quand on va s'arrêter au stand? J'ai hâte de voir ça. Oh ouais, le drift que ça fait, c'est impressionnant. Là c'est pareil, là, je suis à l'arrêt, mais c'est quand même planté. Et voilà, je suis encore parti à la faute. Je vais quand même essayer de rentrer au stand comme ça, tant pis. Voilà, nickel. Voilà, conduite automatique. On a demandé les stands, qu'est-ce qui va se passer? Alors, carburant, on va mettre pneu avant, aileron, on va mettre oui. Et on va voir ce qui se passe. Alors, je peux pas changer. Réalisateur TV, là, je suis en mode réalisateur TV. Je peux pas changer la vue. On va se prendre un tour, hein. J'ai l'impression que c'est dans le dernier virage. C'est ton meilleur tour. C'est mon meilleur tour. Alors, regardez, je suis en mode réalisateur TV. Voilà ce que je peux faire. Je peux tourner toute la voiture. Ça, c'est cool quand même. Franchement, franchement, c'est vraiment bien fait, quoi. Enfin, là, on peut pas dire. Vue du pilote. Voilà, je peux changer la vue. Caméra embarquée, vue comme ça. Vue du bord de piste. Regardez, je peux jouer comme ça si je veux. Comme dans la série des Grands Prix, hein. Et franchement, c'est génial. Bon, évidemment, ça va être très compliqué. Mais si je veux, je peux jouer comme ça. Donc là, je suis en mode réalisateur. Je vais pouvoir encore, normalement... voilà, je peux changer sur qui je vais mettre la vue. Donc on va se mettre sur nous, hein, toujours. Certina Polar, voilà. Hey, cool, c'est nous. On va se remettre en vue arrière, vue pilote à nouveau. Voilà, caméra embarquée. Et si je veux, bah... Alors attendez, j'ai encore changé. Vue arrière, vue sur les côtés. Ah, on a quand même pas mal de vues. On va enlever le mode réalisateur. Regardez, je peux rouler comme ça si je veux. Mais ça c'est pareil, c'est une super idée, sincèrement, c'était pas mal, hein. Franchement, c'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment cool, à n'importe quel moment de la piste... Ah, j'ai le drapeau bleu, du coup faut juste passer les autres. J'ai fait n'importe quoi. On va se remettre en vue classique. Voilà, en vue pilote, et on va redémarrer. Et je crois que j'ai tapé. Je crois que je me suis pris une bagnole. Et là c'est pareil. Ah, du coup, drapeau jaune, drapeau bleu, faut juste passer les IA devant moi. On va encore changer la vue. Alors, je rappelle que je suis en mode moyen, hein, je suis pas en mode débutant, donc c'est pour ça aussi qu'on galère quand même dans ce jeu. Mais, de manière générale, vous aurez compris, voilà, des fois, je vais pas vous le répéter à nouveau. Donc, ce jeu, au final, est-ce qu'il vaut sa mauvaise note? Est-ce qu'il vaut un 9 sur 20? Est-ce qu'il vaut 10, 15, 12, 30? Non. Et bah ce jeu, malheureusement, je vais lui mettre 11. Je vais pas lui mettre en dessous de 10 parce que ça serait trop dégueulasse. Il y a tellement de jeux de Formule 1 à l'époque qui ont fait vraiment n'importe quoi. Lui a fait légèrement n'importe quoi, mais pas totalement. Voilà. Il y a des manquements, mais ça gâche le plaisir du jeu, c'est dommage. Mais je peux pas lui mettre en dessous de 10. Comme je vous dis, il y a des choses qui sont quand même très bien faites, il y a des bonnes idées. Ils ont foiré RS, bah écoutez, tant pis, hein, ça fera pas un bon jeu. Mais ils ont fait quelque chose de quand même potable. On va changer la vue, on va se mettre en vue réalisateur de TV, voilà, c'est bien. Regardez, je peux faire val avant ou val arrière aussi, ça j'avais pas vu. Je peux zoomer, dézoomer, me dites pas que c'est pourri quand même, sans déconner. Et je vais enlever la vue, voilà, on va laisser tourner là-dessus. On va s'arrêter... sur cette jolie caméra. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Warm Up, j'espère que ça vous aura quand même plu. Je vous dis à la prochaine. Et donc la note, moi, pour moi ça sera 10,5.
11 sur 20, voilà, vraiment maximum. Mais ça sera pas un jeu que je conseille. Vous le voyez à l'heure actuelle, la framerate est dégueulasse. Et au niveau du maniement, c'est quand même pas top top. Monaco Grand Prix est quand même bien mieux que ça, même s'il est pas parfait. J'aurais aimé franchement prendre le meilleur de ce jeu et le mettre dans Monaco Grand Prix et retirer le plus pourri. Ça aurait fait un jeu mais monstrueux, franchement. Voilà, c'est encore dommage. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.